travaille en vain. Ah, c'est bon, le but, l'ouverture du score pour Langnon sur cette offensive d'Alexei Dostoïnov qui peut marquer son deuxième but de la saison. Alexei Dostoïnov qui n'avait plus marqué depuis un match contre Fribourg le 27 octobre dernier. Un but un peu contre le cours du jeu. Le joli mouvement pour éliminer Livio Stadler en repiquant sur le centre d'un tir croisé. Et le but de Langnon, powerplay, Petrini qui peut trouver l'ouverture. Deuxième but de la saison pour Patrick Petrini, le numéro 94 de Langnon. Qui était parfaitement placé au deuxième poteau sur la passe, me semble-t-il, de Marcus Nilsson. Mais on n'est toujours pas à l'abri d'un réveil Zougoua. Simeon. Le lancer, le but ! Après 21 secondes, l'ouverture du score pour l'équipe de Zoug. Et c'est Raphaël Diaz, pour la quatrième fois de la saison, qui trouve le fond du filet. On le disait, on n'est pas à l'abri d'un réveil Zougoua. Et on n'a pas eu le temps de terminer notre phrase que Diaz trompait pour la première fois du match Damian Stettler sur cet assist de Simeon. Et ce lancer parfait. Il prend la vitesse, qui décale Kovar. Avec Hoffman, Hoffman pour Marcini, et l'arrêt! Et le but de Zender qui a parfaitement suivi. Quel dommage là pour Stettler qui avait fait l'arrêt. Mais à 5 contre 4 après 2 minutes et 10 secondes. C'est Yannick Zender qui trouve le fond du filet de Stettler, qui avait pourtant fait l'arrêt devant Marcini. Et même le caméraman s'est laissé embarquer par le numéro 46. La superbe parade face à Marcini. Ensuite ce puck qui malheureusement ressort directement sur la crosse de Zender, seul dans le slot devant la cage vide pour sa cinquième réussite. Saint-Hélaire, Saint-Hélaire qui donne tournis à la défensive de Langnon. Le but ! Quelle réussite sur ce solo de Sven Saint-Hélaire. Après 4 minutes 31. Sixième but de la saison pour Sven Saint-Hélaire qui a fait tout le tour de la zone défensive de Langnon avant de tromper le malheureux Stettler d'un back-end raglace entre les jambes. Ah, celui-là, ça me coûte de le dire, mais il est bloqué par Klingberg, Kovar. Et le but dans la cage vide pour Dario Simeone qui sonne le glas.